Alors yo, salut tout le monde, c'est Comet. Je fais une intro juste avant que la vidéo commence. Pour que vous notiez sur 10 mon intro. Et je vous souhaite de passer une belle journée et une bonne vidéo. Alors yo, salut tout le monde, c'est Comet. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Infinite Warfare. On est avec Gameroid. Salut. Je vous mettrai sa chaîne en description. Il approche très rapidement des 5 abonnés. Vous irez, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ah, bah 6. Non, on va dire 10. On va dire 10, c'est bon, c'est bon. Ok, bon, où c'est que je suis rendu? Ah oui, là aujourd'hui je vais vous montrer mes stats sur Infinite Warfare, mon nombre de jours de jeu, etc, etc. Puis après on va aller voir les armes. C'est parti. Je vais juste mettre un peu de musique. Ah. D'abord, on commence avec les classements. Pour les classements, dans le score, dans mes amis, je suis 5e. Mon ami, lui, il est 11e. Après ça, pour les victoires, Je suis 5e, 6e. Les éliminations, je suis 5e. En matière par équipe, en jeu d'armes, je suis 8e. En infecté, je suis pas classé encore. En liaison non plus. Après ça, le classement. Les médailles, non, parce que les médailles, je montrerai pas. Parce que c'est des médailles que genre que j'ai en particulier. Ok, après ça, les. Regardez. Tout ça pour 2 jours de jeu. Après ça, l'arme que j'ai le plus de kills, la NV4, avec 2000. À peu près, quasiment 3000. Après ça, la MacTav 45, la FHR, la R3K, la ERAD, la Cobor, le KBS, le Widowmaker, le couteau de combat, la Type 2, la RPR Revo et le Hellstorm. Et après ça, ben là, ça continue. Pour les grenades, je les montrerai pas. Pour les spécialistes, mon plus utilisé, c'est Guerrier. Et le moins utilisé, c'est Striker. Mon plus grand SPM, c'est en infecté. Regardez. Bon, après ça, mon de clés. Maintenant, mes classes. Ah, pour le KBS. Pour le KBS, vous mettez thermique, processeur balistique, silencieux et poignard go. En secondaire, vous mettez Oni Exil. Et vous mettez comme atout, en atout 1, vous mettez rien. Vous pouvez mettre dextérité. Après ça, vous mettez pillard et localisation. Et c'est la R3K. Hello, poignée ergonomique, silencieux, poignée avant. Vous mettez le EMC en secondaire. Et éclaireur, pillard, tireur d'élite. Comme atout. La Cobor. Je vous laisse observer la classe. Ah, j'ai mal au bras.
La trancheur et la type 2. Je voulais réceptionner ma classe. Et... Bon. Ça, c'est les unités d'intervention. En tout cas, désolé. N'hésitez pas à donner une note sur 10 à ma nouvelle intro que je vous ai montré au début de la vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher un like, votre plus gros like, à lâcher des commentaires, à partager. C'était Comet et je vous dis à plus.